Dieu pourquoi tu es là. Dis à Dieu ce que tu veux. Ferme les yeux si tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu te mets. Parle à Dieu. Dis à Dieu, voilà mon problème. Dis à Dieu pourquoi j'ai payé le transport, je suis venu ici. Dis à Dieu pourquoi je suis dans cette salle. Dis à Dieu pourquoi je suis venu croiser ton prophète. Parce que toi-même, tu as dit, allez-y consulter mes prophètes. Oui, parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Au pied de la croix, je suis venu, Seigneur, pour te croiser. Parce que j'ai tel problème. Parce que j'ai tel problème. Jésus-Christ, je veux que tu me bénis. Jésus-Christ, je veux que tu me bénis. Jésus-Christ, je veux voir ta gloire. Parce que tu as dit, oui, tous ces gens qui sont fatigués, chargés, mais bénis, tu vas nous donner du repos. Seigneur, voici la vie de tes enfants ce jour. Éternel, je vais te recommander ce peuple. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Oh, Jésus, tu es Dieu. Nous sommes tous fatigués, chargés. Viens nous décharger en ce jour. Nous sommes tous des malades. Mais Seigneur, prends pitié. Ne regarde plus nos péchés. Souviens-toi de nous et délivre-nous. Souviens-toi de nous et délivre-nous. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le Saint d'Israël, celui-là qui n'a pas donné point sa croix. Jésus, tu as payé le prix pour nous. Éternel, éternel, et sans ta grâce. Ta grâce, Seigneur. 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 Yes, Holy Ghost. Manifestation de ta puissance ce soir, que tu déploies afin de nous guérir, afin de nous délivrer, afin de nous restaurer. Tu es Dieu et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Nous te rendons toute la gloire parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Merci de déployer ton onction pour nous libérer. Libérer des forces des ténèbres. Et que notre Dieu de nous guérir, de nous bénir. Prends la première place au Saint-Esprit. Utilise ton serviteur que je suis afin d'accomplir toi ta volonté dans la vie de chacun d'entre nous. Je compte sur toi. Merci. Je m'abandonne entre les creux de ta main. Amen. Mon seul.
l'appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, ce ami me reste. Jésus, oh, oh, Jésus, ce ami qu'on aimait à la mort, son âme se boue. Tu vas encore élever la main et tu vas bénir le nom de Elohim, le Dieu d'Israël, le glorifier parce qu'il est puissant, le glorifier parce qu'il est Seigneur, le glorifier parce qu'il est ton Dieu. Jésus l'a dit, l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous le reconnaissons comme Dieu, il est notre Dieu, il est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Nous le bénissons. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons te célébrer. Yeshua et Mashiach. Nous voulons te rendre toute la gloire. Yeshua et Mashiach. Elohim, tu es. Je m'achabarote. Je m'achama, l'Éternel qui est ici. L'Éternel est ici. Je m'achama, l'Éternel qui est ici. Nous voulons te célébrer et te rendre toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Gloire, honneur à toi seul la magnificence, à toi seul l'honneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Adonai, Adonai, Baruch Hashem. Nous te rendons toute la gloire, Baruch Hashem. Baruch Hashem, reçois la gloire, honneur à toi. Nous te bénissons encore et encore, parce que tu es puissant. Encore et encore, parce que tu es glorieux. Tu es puissant, tu es Seigneur. Merci de nous de ta présence. Merci de nous bénir. Merci parce que tu es assis sur le trône. Que tu règnes comme roi. Le trône, le ciel est ton trône. Et la terre est ton marché. Gloire et honneur te reviennent.
Merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Yeshua et Mashiach. Nous te rendons toute la gloire. Nous allons tous chanter ce merveilleux cantique. Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur parce qu'il est sorti vivant du tombeau. La résurrection de Jésus, sa mort et sa résurrection nous apporte aujourd'hui, la porte aujourd'hui, délivrance, restauration et bénédiction. Que Jésus est, il est Seigneur, Jésus-Christ. Mon Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia, tout genou, oh, toute la confesse là, que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, yes, alors. Tu es, hélas, ce soir, est-il vaincu, il y a maintenant 2000 ans à la croix.
victoire par Jésus. Le tombeau de Jésus est vide. Son tombeau est vide. Symbole de puissance, symbole de gloire, pour dire que Jésus-Christ est vivant. Et s'il est vivant, bien aimé, le mât dont tu souffres ira tout à l'heure. Jésus est vivant. Dieu dit merci. J'aimerais que nous lui disions merci pour ce qu'il a fait pour nous, Jésus. Nous la bouche, lui dit merci. Vous dites merci, ton frère Jésus. Ensemble, on dit merci à Jésus. Alléluia. Nous disons tous merci à Jésus de nous avoir donné la vie au travers de sa mort et de sa résurrection. Nous disons merci. Merci à Jésus qui nous a donné la vie au travers de sa mort et de sa résurrection. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Acclame plus fort en Jésus. Alléluia. Le tombeau de Jésus est vide. Les anges se sont dressés au plat. Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité. Jésus n'est pas mort. C'est pour cela qu'il m'a miraculeusement guéri. Pendant que mes poumons étaient infectés, il n'y avait plus de solution. On n'arrivait pas à voir cette maladie mystique. Et quand je me suis confié en ce Jésus puissant, vivant qu'il est, il m'a miraculeusement guéri. Jésus est encore vivant pour te guérir. Il est encore vivant pour te délivrer. Et ça, il veut croire. Jésus est vivant. Son tombeau est vide. Le tombeau de Jésus est vide. C'est mort de puissance de Dieu. Il donne la vie à un mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Bien-aimés, si Jésus ne guérissait pas, je n'allais jamais me convertir. Moi, je ne suis pas un Dieu qui est resté muet pendant que j'ai des problèmes. Amen. Les gens disent, vous suivez les miracles. On va suivre le miracle. Le miracle est surnaturel. Personne ne peut opérer. Un être humain ne peut pas opérer un miracle. Si Dieu savait qu'on suit. Il m'a donné, j'ai dit cette année-là, il faut qu'il vienne m'appeler. C'est ma tombe du maréchal. Je suis un maréchal. Et j'ai dit, mais pourquoi quand tu dis, et puis quand tu es maréchal, ça veut dire quoi? L'éternel, on dit, il est éternel des armées. Mais lui-même, il n'y a pas de grade. Il est éternellement des armées. Je vais chambard. Et lui, il peut se montrer. Vous n'avez pas là? Amen. Parce que moi, plusieurs reprises, les sorciers les plus redoutables de la région que je gère aujourd'hui, sous l'onction de Dieu, ils sont venus m'attaquer, mais ils ont fléchi chez nous. La Bible dit, je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher si les scorpions et les serpents, et si toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. J'ai été moi empoisonné deux fois dans le ministère. J'ai été une fois empoisonné dans une région derrière Gagnoua qu'on appelle Guéillot. J'ai été empoisonné dans un repas. Mais Dieu m'en a délivré, Dieu m'a délivré de ça. J'ai fait une grande veillée de prière, délivrance, délivrance. Oh, la diabolesse, elle est sorcière. C'est pour ça que moi, je suis diable, et crédit. Ça ne suffit pas pour moi, hein. Non. D'ailleurs, on va dans les gars pour trafiquer les gens. Monsieur Francis, ils m'ont dit trafic. Trafiquer les gens. Oh, par sagesse, j'ai parlé avec elle.
le pasteur, tout ça. On a prié pour elle. Elle dit, bon, viens voir. Toi-même, là, viens voir. Elle avait raison, parce que le dimanche, j'allais l'exposer devant toute l'église. Toi, tu es diacre, diaconat d'une église, et tu es sorcier. Ça veut dire quoi? Tu as mangé les fidèles? Tu vas les manger? C'est comme dans une région à Grand Laou, chaque mois, à Zapalébé, dans un village à Grand Laou, vous traversez, vous êtes en pirogue, et tu es fatigué. Tu peux faire 3 jours en pirogue. Ils sont au bout là-bas. Dans l'église, les prédicateurs, on les appelle prédicateurs, plein droit. Plein droit, c'est qui? Prends le fidèle, il y a balance, il a plein poids, on dit, bon, lui, il faut qu'on le mange. Et quand ce que Dieu m'envoie dans le village, pour mettre la main sur les responsables, ceux qui pensent être prédicateurs, ils sont sorciers. Sur ça, ce n'est pas tout le monde qui doit vous imposer la main. Amen. Imposition de main équivaut, ce qui est en moi, c'est ce qui te communique. Amen. Ils disent, nous n'avons rien à te donner, ce que nous avons, nous te communiquons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Amen. Pour ça, quand moi je suis fatigué, je ne prie pas pour quelqu'un. Quand je me sens fatigué, je ne prie pas. Ils sont prédicateurs, mais en même temps des sorciers qui mangeaient les fidèles. Vrai, ils avaient sorti, acheté, parce qu'ils aiment bien acheter. Mais là où est, là, ils aiment bien acheter. Ils le braisent. Hein, ça va, ils le braisent. Maintenant, après ça, il y a sauce clé un peu. Nous, on avait Kéguenou, on connaît pas ce Kéguenou. Ça y est, t'as pas le temps de faire, de mettre tomate dedans, de piment. C'est ça, on avait peu de soucis, t'es pas là-bas. Tu écrases, tu manges, on va. Puis tu mets, tu dis qu'il mange. Tu peux pas marcher, tu vas pas à longueur du haut. Tu mets, ça c'est rempli. On le prend, on met Kéguenou, pour on le mange. Et je t'ai oublié de le prendre. Et on a délivré l'église. Amen. Amen. On est obligé de délivrer l'église. Donc cette histoire des diaconesses dans la région de Guinée, de la paix, j'ai vu. Moi j'ai un don. J'explique comment ça se fonctionne. Ceux qui savent, j'ai un don à moi. Le jeu que Jésus-Christ m'a consacré, c'est comme un appareil qui a été introduit dans mon crâne. J'ai dit aux gens, comment les gens ont eu l'inspiration de fabriquer l'avion? Ça va bien vous. C'est pas démoniaque. Est-ce que c'est démoniaque? On va prendre ça. On voyait dedans. C'est quel esprit? Ils détiennent ça de quoi cette connaissance-là pour faire le détecteur de phobie? Ils savent. Ici, ça existe, non? Chez nous, ça existe. Ils détiennent de quoi? C'est Dieu qui leur introduit cette connaissance-là pour gérer le monde. Donc, j'ai ça en moi. Je vis avec ça. Et je sais que je ne suis pas un homme ordinaire. Et ça, je le sais. Amen. Voilà, Amen. Voilà, je sais. Je sais que toi et moi, on n'est pas la même chose. Non, 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 non. Parce qu'il y a des choses que je vois, tu ne peux pas voir. Il y a des choses, si tu vois, tu vas devenir fou. Mais oui, je dis la vérité. Il y a des choses que je parle dans l'habitat pour tes frères. Moi, chaque fois, je vois des esprits. Que vous appelez fantômes. Moi, je vois ça. Des personnes bizarres qui ont des oreilles. Bizarre. Qui m'affronte, qui s'arrête là comme ça. Et qui me bat le chemin. Ils sont là. La queue, flèche. Et j'ai dit, mais il faut qu'il te bat moi. Alléluia. Qu'il te bat moi. Amen. Parce que le diable, vous voyez, le diable là. Lui, il vous effraie. En moi, tu ne peux pas m'effrayer. Si tu m'as effrayé, t'es effrayé. Et puis tu vas, donne-moi une frayeur. Tu vas frayeur. Tu as fui. En français, il va y avoir frayeur. Et tu as fait quoi, t'as mes frères? Tu fais mon
ton chemin, toi, tu viens. Et je dis, dégage. Et l'esprit insiste. Et quand je commence, ils se font comme ça. Ah, je sens que le feu touche dans la nature. Amen. Puis continuer mon chemin. Amen. Donc l'esprit de toi et moi n'est pas pareil. Mais gloire à Dieu. Je t'enseigne la foi. De la foi en Jésus, c'est bien essentiel. Amen. N'ayez pas peur des petits plaisantins qui veulent vous effrayer dans la nuit. Vous avez peur. Vous voyez qu'à fond, vous êtes au premier. Amen. Amen. Donc je prends la servante, la diaconesse, tu n'es pas choqué l'église. On gère. Oh, moi j'aimais bien l'haricot matin. L'haricot, un petit déjeuner, mais franchement, tu. Ton esprit ouvert. Elle me fait l'haricot bien. Maintenant, elle met sa chose là-dedans. Bien, bien, bien. Tu n'as pas eu, tu vois clair. Qui mangeait son qui mangeait. Donc le prophète est fatigué, matin, il vient de faire délivrance. Quand c'est pendant que tu veux manger à l'eau, bien enflé. Pour être délivré de la fatigue. Donc je mange le plat. Mais souvent Dieu vous permet, Dieu souvent, il ne vous dit pas des choses pour vous enseigner. Oui. Amen. Oui. Amen. Ah, pourquoi Amen. Dieu n'a pas parlé? Mais il veut t'enseigner quelque chose. Amen. Oui, il y a des choses. Il y a des expériences que Dieu te fait vivre. Amen. 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 C'est vrai. C'est la vérité. Je mange. Amen. Bien que j'ai dit au nom de Jésus. Comme c'est une expérience. Allez, parce qu'il va cela. Alléluia. Je prends le plat, je mange, je pars dormir. Je n'arrive pas à dormir. Mon ventre commence à ballonner, tout commence à s'enfler sur moi. Attends. Je commence à avoir des vertiges dans le. Et j'ai commencé à vomir. Et au fur et à mesure, je commençais à étouffer. Tout commençait à se ballonner sur moi. Tout est bizarre. Attends. Maintenant, je ne pouvais plus vomir et ça me fatiguait. Ça m'a fatigué. Samedi, dimanche matin, la nuit, tout le monde me prend, me descend dans une ville qu'on appelle Sassandra, c'est à Gayo. Sassandra, c'est la voix bizarre. Et je suis allé. Et quand le médecin m'a regardé, il dit, attends, vous avez vécu ça toute la nuit? J'ai dit oui. Il dit, le Dieu que vous priez est puissant. Amen. Parce que c'est les médicaments qu'on prend pour tuer les rats, les souris là. Si tu avais tout résisté, c'est 35 minutes. Mais pas que rester toute la nuit avec ça. C'est 15 minutes. Quand tu manges ça, tu meurs. Mais moi, c'est ce qu'ils m'ont donné. Et ils m'ont fait une fibroscopie. On met un appareil, n'est-ce pas? Dans le temps. La gorge. Jusqu'à l'estomac, tout est déchiré. Frère, vous savez, quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, fermez vos bouches. Hein. Amen. Et puis regardez ce qui s'est passé. Regardez. Et les gens disent, tu viens d'être empoisonné. Le repas que tu as mangé, là, ça a été empoisonné. Et c'est le seul repas. C'était l'haricot. Donc mon esprit est parti directement sur la table. Une diaconesse. Elle dit oui, j'ai été tué. Pour ça, je ne vais pas dénoncer. Elle a dû commencer à faire lui le pasteur. Son sexe est mort. Ça, c'est enjolé dans un foyer. Là, c'est la vérité. C'est une grande vérité. Mais ta femme n'est pas ta petite soeur. Ta femme n'est pas ta petite soeur. Amen. Amen. Non, toi, c'est qui veut ça faire. Donc, quand ça ne rentre pas, il est comme dans un foyer. Il y a pas là. Amen. Amen. Donc, elle crée ça. Donc, la madame est toujours un bout de le monsieur. Le pasteur, mais il est toujours boudé par sa femme. Amen. Oh, quand tu n'es plus nu avec ta femme dans le ministère, ton ministère chute. Amen. C'est pour ça que quand vous avez un ministère, vous êtes marié, attendez-vous à votre femme. Amen. S'il n'y a pas d'entente, va te manger genoux, laisse le ministère. Fais l'effort. La première grille,
c'est celle qui a la maison d'abord. Ton premier soutien, c'est ta femme. Tu vas avoir des mariés pour savoir que tu maries. On l'appelle aide. Ça veut dire aide. Aide, aide. Il faut savoir épouser une femme pour m'aider dans le ministère. Si tu t'es trompé, tu vas rendre témoignage. Et le pasteur m'expliquait ça. Or, quand je suis revenu, heureusement, le monsieur ne savait pas comment. Ils se sont arrangés, ils ont essayé de mettre des trucs bizarres pour soigner les plaies. Et le médecin ne croyait pas que moi j'allais sortir encore de l'hôpital, aller. J'ai vu l'air fini, lui. Et je suis allé dans la douche, dans les toilettes, puis je me suis posé les mains. J'avais un peu d'huile dans ma poche. J'ai mis ça sur ma lampe. Je me suis posé les mains. J'ai dit, moi je rentre. Le Seigneur a dit, je rentre. Si je dois mourir, il faut que je meure. Jésus, là, il dit guéri. Je vais dire, mais guéri. Je ne peux pas mourir de ça. Je sais où ça vient. Je vais partir. Je vais partir. J'ai appelé la dame. Elle a commencé à trembler. Parce qu'elle savait. Elle a commencé à trembler. Je lui ai dit, attends, tu m'as donné quoi? Ah non, 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 c'est comme ça, je ne dis pas. Tu m'as loupé, tu viens de me tuer. Comme ça, tu n'as pas dit non. Il y avait un produit dans la maison, et c'est tombé dans la chambre, c'est un mort. Et après, elle a fait les deux, elle a fini par avouer. Mais je ne vais pas choquer, vous savez, il faut être beaucoup sage. C'est l'église de Dieu. Si je dis. Elle m'a empoisonné. Tu as quelqu'un qui est beaucoup sage. Amen. Il ne faut pas que ça vienne de toi. La destruction de l'église. Il y avait raison. Et de dire la vérité. Mais en même temps, la sagesse m'a dit de ne pas faire. Donc, et j'appelle le pasteur, je l'oriente. Et elle fait les aveux. Tu sais qu'il a tout gâté chez le pasteur. Heureusement. Après ses aveux, on a mis l'huile d'onction. 3 jours après, le pasteur m'appelle pour dire, ça va maintenant. Ça, quand ça va comme ça, quand ta femme va marcher, elle achète tous les pots, les crânes. Elle achète tous les crânes. Elle achète tous les crânes. Poisson pont, machin pont, mais tout le monde. Et je viens manger. Je vais essayer, ça va, il ne s'en fait rien. Viens manger. Amen. Ça, c'est important, hein. Donc le monsieur était délivré et sa femme était délivrée. Donc il y a des esprits qui sont dans les églises qui ne font pas évoluer l'église. Donc j'ai été empoisonné dans les églises. Ah oui. Alléluia. Amen. Et j'ai vu la puissance de Dieu me délivrer du poison. M'a délivré. Le médecin m'a réveillé, croyez pas. Vous savez, si Dieu ne fait rien dans votre vie, vous n'allez jamais avoir la foi. C'est la vérité. Dieu a tellement Amen. Fait de grandes choses dans ma vie Amen. Que moi, quand je me présente un sujet, je banalise. Amen. Parce qu'il est souverain. Amen. J'ai eu tellement de choses. Amen. Amen. Et j'ai vu la puissance de Dieu m'utiliser puissamment contre les œuvres de la sorcellerie dans le village. J'ai cette capacité, c'est un don. Si j'arrive quelque part, que quelque chose est enterré, j'essaie. Je ne suis plus à l'aise. Je ne suis plus à moi-même. Et c'est comme un GPS. Le GPS là, qui a inventé ça? Les hommes, comment ils ont reçu ça? Comment détecter l'or dans un sol? Ils ont quel pouvoir? Pour savoir que l'appareil qu'on a là, ça doit détecter. Puis il fait que ça ne se trompe pas. Hein? Quand on mettait le détecteur, vous savez qu'il y a du pétrole là. Ceux qui sont en minéralogie savent ça. Il y a du pétrole et il y a de l'or. Si les êtres humains peuvent le faire, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas. Donner ce don à quelqu'un. Amen. Pour cela que la Bible dit la diversité de dons. C'est un don que Dieu donne. Amen. Amen. Je peux localiser un fœtus quelque part. Ça ne veut pas dire que ça vient de Satan. J'ai détruit les yeux de Satan. Ça ne veut pas dire de Satan. Ah, ça veut dire quoi? Un homme de Dieu qui détruit. Mais le ministère est typique à l'Afrique. À l'Afrique, on enterre toujours. Je n'ai jamais vu un sorcier qui n'enterre pas fœtus. C'est parce qu'ils vont toujours dire que ton attachement c'est dans le Canaï. Tu as le gilet, le chien, le frère, pour que le Canaï soit brisé. Depuis que dans le Canaï. Le terrain pour faire des livrances. Donc,
Dieu me donne ce don. J'ai déjà déterré les. Je ne mange plus la viande. Wow. Oui, j'ai vu trop de choses. Aïe, 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 aïe. Orteil de quelqu'un, genou de quelqu'un. Il y a des choses qu'on peut poster sur le YouTube. Ben, c'est choquant. Genou de quelqu'un de footballeur. Aïe, 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 il y a trop de choses. Le monsieur construit la maison de son père. Il en stage à Paris Saint-Germain. À Paris, l'équipe. Il vient, il a l'argent. Et construit la maison de son papa. Ils sont venus regarder. Ça va? Le père qui a fait, oui. Ça va? Hey, tu es gentil, hein? Tu vas voir. Où tu vas enlever l'argent pour revenir. C'est pour ça que nous ne jouons pas la société. Ils sont mauvais, ils empêchent le développement. À quoi c'est mauvais si un père offre une maison, un fils ou une maison à son père dans une maison, un village. Ça va? T'es gentil, hein? Et allez, il va à l'enterrement. Voilà. On regarde le genou. Il y a un liquide là. Comment on appelle ça? Ils ont bu ça comme bu ça. Frère, les gars là, il faut Dieu, hein, il faut qu'on les mate. Il faut qu'on les mate. Hein. Parce qu'un jour, il faut qu'on les mate. Les gars sont assis, prient, les prient. Matons la sorcellerie. C'est elle qui nous bloque. C'est elle qui nous empêche de se développer. Il m'a dit, tout est bloqué. Tout est bloqué. Heureusement, ça vous résout le problème. Je cherchais à voir le maréchal. Il a fait, je l'ai scanné. Moi, cet enfant, il dit, allons-y. Alors, on est arrivé dans le village. Son papa inquiet, il n'était pas dans la confrérie. Voilà, il n'était pas dans la confrérie. Si dans la confrérie, il y a longtemps, il avait déjà attrapé. Hein, il n'était pas dans la confrérie. Mais son oncle, à qui il rendait beaucoup de services aussi. Il a même promis notre maison après la construction de la maison de son père, construit la maison de son oncle. Okay. L'oncle a pris ça, hein, il a mis ça dans un canari, et puis il a mis ça dans un contrefort du fromager. Donc on est arrivé, on a prié, mais il fallait aller détruire ça. C'est ça qu'il faut avoir une orientation prophétique. Si tu n'as pas une orientation prophétique, tu vas voir que d'autres personnes ont pris pour vous. Ou quel gène n'est pas fait. Quel gène, vous avez dépassé 40 de Jésus, vous dépassez le Seigneur Jésus. Le fatigué gène, ennemi sévère, mais rien ne marche. Tu m'en as parlé, tu es tombé dans la neige. Tu as trop gêné. Vous pouvez gêner. On les a dit assis, mais regarde. J'ai dit assis, les gars. Viens, viens, viens. Viens être ton jeune manier. Et tu jettes son âme. La chose est là. J'ai dit, les gars. C'est ça qu'il faut des. Il faut des puissants ministères. Il faut que tu suscites des ministères. Amen. Priez pour ça qu'il ne les étouffe. Moi, je suis quelqu'un. Quand quelqu'un commence à exercer un ministère, je l'épaule. Amen. Amen. J'en profite pour remercier le grand temps de Joshua depuis le Nigeria. Le jour qui découvrait ma vidéo, humblement, c'est un grand homme très humble qui a cherché à m'appeler pour dire c'est vous toi, une action sur toi. Nous, on a déjà fait longtemps, mais tu es une référence pour l'Afrique. Le grand temps de Joshua est dit. Il dit, c'est vrai que Dieu me tue dans le donneur du miracle, mais quand toi, je vois ce qui ton avenir, il y a des prophéties, ces deux ans qu'il m'avait déjà donné, qui est en train de s'accomplir. Amen. 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 C'est ça que vous avez senti de Joshua à ce grand temps de Dieu. Amen. Quand vous reconnaissez l'onction de Dieu, aidez que de tuer des gens. Amen. C'est cela qui, au moment où on départ, c'est l'Afrique,
nous avons organisé un programme spécial pour tous ceux qui ont des ministères. Amen. S'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de vie dans une église. Amen. Je ne peux pas comprendre que vous êtes 10 personnes et ça n'évolue pas. Un enfant qui ne grandit pas, tu lui donnes à manger, il ne grandit pas. Il est malade. Vous savez pas ça? 15 chaises, 15 dans une église. Chez nous maintenant, celui-là, c'est 30 personnes. Celui des premiers, c'est 30. Quand l'église, il rend tant de responsables chez nous, c'est 30 personnes. Ça y est, il est responsable, responsable. Dans une église, 15. Il faut faire mieux, frère. Il y a beaucoup de païens dehors. C'est une bergerie. Et puis Dieu ne touche pas pour venir. Ce que tu entends le faire là, toi-même dis non, ce qui t'en délivre. C'est un club d'amis. C'est Dieu qui attire. Il n'approuve pas ce que tu fais. Amen. Il y a un ouvrage, un homme de Dieu qui est chanteur au bout des champions, que j'encadre. Il a conçu une église de 2000 places. Amen. Et pour moi, il va inaugurer ça très bientôt. Il finit sa consécration le 1er avril devant toute la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il est rentré par la grande porte à Zoulou, il sortira par la grande porte à Zoulou. Donc l'église est finie. Lorsqu'il m'a appelé pour aller prier pour l'église, tout le monde a commencé à murmurer, hein, désir, consigne, église. Il n'avait pas de fidèles. Il dit, mais c'est une bergerie, non? Tu veux avoir des brebis, il faut d'abord construire un trou. Amen. Il faut d'abord construire un trou. Mais tu n'as pas encore prié chez eux pour les amener où? Non. À l'hôtel. Vous comprenez? 2000 jours, ça dit jour. 2000. Il a commencé, les gens commencent à venir. Parce que c'est Dieu qui attire. Quand il dit, ça ne grandit pas. Amen. Il n'y a pas de croissance. Mais il y a un problème, il faut qu'il y ait des ministères. Parmi les 15 là, que Dieu suscite des ministères. S'il y a des ministères, ça va grandir. Amen. Si les gens viennent dans l'église qui sont guéris, le témoignage amèneront beaucoup de gens dans cette église. Personne. C'est pour ça que nous sommes venus de venir. Il y a des gens qui ont été choqués, blessés. Je ne sais pas si c'est comme ça qui est dans le cœur maintenant. Là, ils ont été blessés, blessés, blessés. Donne, 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 donne. Excusez-moi. Nous, quand on voit ici, on vous voit en Jossi. Hein? Non, on ne voit pas en travail. Le vrai travail, c'est la transformation des confrères. Amen. Parce que c'est le témoignage de ton ministère. Amen. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? C'est le témoignage. Quand vous voulez que les gens viennent dans votre église, c'est le témoignage. Tu dois les envoyer. Tu n'as pas de ministère. Vous pouvez commencer en tas. Mais toi-même, le leader, tu n'as pas un temps de guérison. Demande que le Seigneur donne à ces personnes. Si tu commences à avoir des dons, l'église va commencer à grandir. Amen. Une église qui ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Vous avez bien compris? Amen. C'est qu'il y a un problème. Les gens qui sont malades, ils ne sont pas guéris. Et vous dites qu'ils n'ont pas la foi, tu es absent. Allez payer le prix. Ça, c'est payé. Jésus est allé dans le désert avec 40 jours avant de commencer le ministère. Super. Et réglez ça avant de me donner tout ce que. Merci beaucoup. Jésus allait dans le désert. Il a fait 40 jours dans le désert. Quand il est venu la puissance de Dieu, il a une forte onction et il a démarré le ministère. Si vous n'avez pas une onction de Dieu, attendez que Dieu réponde sur vos onctions. Le monde aujourd'hui veut voir la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Plus de 500 personnes qui dialysaient dans mon ministère qui ont été puissamment guéris, que j'ai rencontré. J'ai été convaincu de prier pour eux. Je les laisse. Allez, laisse. Jésus les a guéris. Amen. Moi, je crois au miracle. Amen. C'est le miracle qui m'a envoyé dans la foi. Amen. Si Jésus ne faisait pas le miracle, moi,
Jamais aller à l'église. Amen. Et pourquoi l'église, alléluia, ensemble. Pourquoi? Amen. Pourquoi il y a des foucas là-bas et puis on chante. Je n'aime pas trop les cris. Vous dites les chansons. Je dis, pourquoi les gens veulent chanter à l'église? Amen. Amen. Et donc le monsieur, le jeune homme, on prie pour lui. Je scanne. Je vais déterrer la chose. C'est un don. Il ne faut pas que ça choque. Les gens, ça les choque. Je m'en fous de vous. Le don là, amen, je sais que ça vient de Dieu. Amen. Parce que le diable ne peut pas chasser le diable. Amen. J'ai toujours dit, celui qui combat le prophète Crasso, il le souci. Il ne faut pas vous aller vous approprier de ces miracles de Jésus. C'est des grands miracles que Dieu fait. Nous sommes dans les villages les plus minés. Ça va? Voici Louise, elle est de Zaroko, cette dame. Amen. Elle est de Zaroko. Voilà. Voilà, voici là-bas encore. C'est les gens qui sont des Zaroko. Et ça, c'est à cause d'eux que je suis rentré à Zaroko. Amen. Ils sont mieux placés pour moi dans le témoignage de ma dignité à Zaroko. Les gens viennent se pavant sur les réseaux sociaux pour insulter le prophète. Alors, voilà, merci. Super. Amen. Amen. Notre ministère, il y a une impact sur un village où les gens tuaient. Il me semble qu'en 2 mois, ils ont rempli un cimetière. De toute façon, tu manges gab à un poisson ton là. Et ils mangent. Ils font son plat là, que vous appelez à demain. C'est plat là, on appelle à demain. C'est à plat là, qui est à demain, je vous le doublé. La sauce, c'est un peu bouillant. Si sorcier te mange à demain, tu as 5 minutes puis tu finis l'assiette. Nous, on appelle ça quoi là, là. C'est ça qu'ils appellent à demain. Et donc, c'est comme ça c'est manifesté. Et dans ce village, au moment où je partais dans ce village, elle a une cousine, Elisabeth, qui avait un problème, qui marchait avec des béquilles. Et je lui ai dit, il y a un canari qu'ils ont fait à l'entrée dans ta cour. C'est ce qui te fait tout ça. Effectivement, quand je suis rentré après la croisade d'évangélisation, je suis rentré dans la cour. Ça passe mieux? Ça va? Et elle était, quand j'ai détruit le canari, elle a jeté la béquille. Je dis tout va bien. Donc j'ai attaqué le village. On a commencé. Il y avait un problème de développement. Les gens, à 2 fois, ils ont créé un château d'eau. Ça n'a pas marché. Ils peuvent le faire pour creuser le fourrage. Parce que Dieu te bénisse. Ils veulent créer un fourrage dans l'île. Au village, on perce. Le fer s'effondre. On le sort. Bien aimé, chez nous en Afrique, à la sorcellerie. Il ne faut pas avoir ces distraits là. Nous, on a une réalité. Amen. Les blancs ont trouvé, nous, on a pour nous. Frère, chez moi, il y a ça. Il ne faut pas se blaguer. Vous dites, non, vous croyez à ça. On croit à ça. Ben, on dit ça. Amen. Mais là, tu ne vis pas ça. Vous venez. On te met 2 sorciers. Tu as rougi, tu as compris. J'ai dit, vous ne croyez pas là. Venez faire expérience. Il y a des sorciers qui sont là. Ils ne sont pas encore délivrés. Mettez-le, prenez-le dessus et jurez-le. Il m'a rendu témoignage. On va vous désactiver. Parce que moi-même, ma fâche. C'est comme ça qu'on a détruit le canari, la soeur a jeté les béquilles. S'il n'était pas parti dans son village et que je n'étais pas limité, s'il priait seulement, elle n'a jamais délivré. C'est pour ça que nous autres, j'avais le disant, j'attends que les Camerounais m'invitent. J'attends que les Camerounais m'invitent. Je descends la réponse. Je commence déjà à passer. Hey, 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 hey,
Dis aux gens, quand il vient là, il dit au Cameroun, il dit, mais nous vous matez. C'est pas question de Jésus, Jean 3, verset 5. Il laisse les gens 3, verset 5. Amen. Si les gens ne peuvent pas la puissance, je ne convertiront pas. Ça va toi commencer à développer à cause de votre présence. L'infirmerie était bloquée. Nous avons prié parce qu'un ministère doit avoir un impact sur une région, sur un village. Je le dis parce qu'il y a des témoignages. J'avais un endroit où il y avait un esprit de dragon. Et ce point est resté pendant des années. Un bafon ne pouvait pas arranger cette voie. J'avais une voiture Laguna 2 qui s'enfonçait. J'ai dit, ah, vous êtes mal barré. J'ai pris lui dans le je commençais à parler. J'ai chassé l'esprit. L'année qui a suivi, l'État a décidé d'arranger la voie de Dudoko. Aujourd'hui, c'est plat. Les démons ne sont pas qui dans les ponts. Ils sont aussi dans les rivières. Ils sont aussi dans les villages. Il faut les déranger. Amen. Nous avons libéré le village. Ils sont en train de construire dans le village. Nous sommes allés à Nzaroko et Divo, la base. On a une église à Nzaroko, sur notre base. On a toute l'administration à Divo. Arrivé à Divo, on a commencé à prier pour Divo. Ils ont attaqué le maire. J'ai prié pour lui, il est sorti de ses difficultés. Et lui et moi, on sait ce qu'on s'est dit. L'année qui a suivi, le maire est devenu le ministre des infrastructures. Amen. Amen. Dans la voie de Divo, de Ndouzi jusqu'à Kaïma, c'est la victoire. Amen. C'est un boulevard. Quand vous êtes quelque part, votre ministère peut avoir un impact. Amen. J'ai un témoignage de mon ministère. Là où je suis, je ne suis pas à Abidjan. Je suis dans une zone où il y a la haute sorcellerie. Et ça n'est pas. Ceux qui parlent mal du prophète, direct, j'ai un prophète a eu un début. Vous regardez, nous c'est en 2012, comment on a commencé à poster les choses. Mais avant 2012, j'avais déjà 2000, il y avait 2006 les activités. Ah oui. Tu vas dans un village, tu vois, tu sais qui j'ai accueilli. Je t'ai chargé. Il y a un esprit très terrible. J'ai dit ça tout à l'heure. Quand j'ai fini de prier pour toi, j'allais, j'étais souffrant. Parce qu'il y a du gaz mystique qui est sorti de toi. Voilà, du gaz. Et qui m'a touché. Et j'ai vomi tout le temps. Non, c'est les attaques. Moi, je les ai ça.